un beau livre là. Ah oui, hein. Ah, donne-moi le. Non, non. Oh, mais. Non. Et puis moi, je le lis. Ah, je l'ai eu. On le lira ensemble, d'accord? Non. Comme un bébé. Moi je siffle pas. Non, parce que bon. J'ai rire. Arrête. Arrête de me chatouiller. Arrête. Oh, elle pousse ton coup de plaine de bras. Arrête. elle écoute ton. Aïe. 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 Les enfants, il est temps de dormir hein, maintenant. Allez, donne-moi ton lit. Allez. Allonge-toi. Au revoir, Michel. Au revoir, bébé. Oui. Couvrez-vous bien. Et pouette, pouette. Au revoir. Arrête. Arrête. Il n'y a pas d'arrête. Au revoir, bébé. Au revoir. Tu sais, je t'aime beaucoup, maman Jeanne. Non, chérie. Dors bien. C'est la victoire. Hosanna, Hosanna. L'armistice est signé. Madame. L'armistice est signé. Non, laissez-moi faire. Vous êtes trop énervé. Ah bien, je ferai. Continuez,
pas le moment de pleurer. Hein? Bah, viens m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Bon, va à ta place, va, c'est rien. Bon, vous pouvez vous préparer pour sortir. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Merci, monsieur. Vous avez vacances aujourd'hui. Écoutez-moi avant de sortir, écoutez-moi. Nous venons tous de chanter en chœur parce que nous sommes très heureux en ce jour de victoire. Mais je vous demande de penser, et vous le savez tous parce que vous avez des frères aînés ou des pères qui ont été touchés par cette guerre, et vous savez qu'il y a des milliers de Français, des centaines de mille, qui ne reviendront jamais chez eux. Et vous savez qu'il y en a beaucoup dans ce village que nous ne reverrons pas. Alors je vous demande de penser à eux aujourd'hui, hein. Et il y a aussi M. Bourla, votre instituteur. Je vous assure que j'aurais été très heureux qu'il me remplace et qu'il vienne vous refaire la classe très rapidement. Il a été gravement blessé et il ne pourra pas venir avant de nombreux mois. Alors vous penserez à lui aussi aujourd'hui, hein? Vous pouvez sortir. Thank you.
Est-ce que je m'apporterai quelque chose, hein? Un petit lavion. Mon petit gars, tiens, un bouton de lavion. Arrête, toi, ma poli. Hervé, bon lavion. Oui. Non. Et tu veux une pomme, regarde. Un petit gars, là, une pomme. Non, mais et vous en avez pas? Mais là, d'autres, moi. Vraiment? Prends-la. Allez, merci, hein. Au revoir. Au revoir, Hervé. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Hervé. Au sacrifice de nos soldats. Avant de fêter comme il convient cette grande victoire que nous leur devons, adressons une pensée à tous ceux de nos enfants qui sont tombés au champ d'honneur. Bien. Avant de vous poser quelques questions sur la précédente leçon de morale, je vais vous lire un texte qui se rapporte à l'instruction. Et j'espère que vous pourrez en faire votre profit. Quand au mois de mai le blé a poussé en herbe et que le champ ressemble à une prairie, on pourrait le faucher et le faire manger au bétail qui ne demanderait pas mieux. Mais cette herbe-là n'est pas une herbe comme les autres. Qu'on laisse avancer la saison et, de chaque tige, il va sortir un épi plein de grains de froment dont les hommes se nourrissent et que le propriétaire, s'il ne les consomme, vendra à beau denier comptant. Eh bien, tu es toi aussi un bel épi de blé. Si on t'employait dès à présent à travailler autant que tu le peux sans te rien apprendre, tu ne serais jamais qu'un manœuvre ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Tu ne vaudrais jamais que ce que valent tes bras, tes jambes, tes épaules et tes reins. Jean-Louis, ça va? Tu écoutes un peu?
Mais si on permet à ton intelligence de se développer par l'instruction, à la valeur de ton corps, tu ajouteras celle de ton esprit. Tu pourras devenir non pas seulement un ouvrier, mais un contremaître ou un patron, l'égal d'un homme bien plus riche et plus favorisé que toi. Tu pourras te faire la place dont tu seras digne par ton courage et ton intelligence. Veux-tu bien comprendre ta situation? Ta famille et ta patrie s'appliquent à te mettre entre les mains un outil admirable, dont c'est toi qui dois surtout profiter. Elle s'impose pour cela des sacrifices. Tu peux rester tranquille, ça va Thierry, oui? Elle s'impose pour cela des sacrifices. Que te demande-t-on en échange? De la bonne volonté et rien de plus. Si tu n'apportais pas cette bonne volonté, tu serais un ingrat. Et sais-tu qui serait puni de cette ingratitude? Toi le premier. Tu te dis aujourd'hui, cela m'ennuie d'apprendre mes leçons, cela m'ennuie d'apprendre l'histoire et la géographie, cela m'ennuie de compter et de faire des dictées. J'aimerais bien mieux jouer à la marelle ou dénicher des nids et faire l'école buissonnière. Mon maître est sévère et me punit quand j'ai été paresseux et cela me déplaît. Fort bien. Seulement, si tu ne profites pas aujourd'hui de l'occasion d'apprendre qui t'est donnée, tu ne la retrouveras plus. D'ici peu, on ne te dispensera plus de gagner ta vie. Et pour manger, il faudra que tu travailles. Si tu n'as rien fait sur les bancs de l'école, tu le regretteras amèrement. Mais il sera trop tard pour le regretter. Tu verras tes camarades moins paresseux avancer pendant que tu resteras en arrière. Ils auront pris une supériorité qui t'humiliera. Tu seras réduit à leur demander du travail. C'est eux qui te donneront des ordres. Les gros bénéfices seront pour eux. Et toi, tu n'auras que ta paye d'homme de peine. Ce sera justice, puisqu'ils seront capables de diriger une ferme ou un atelier, et toi, bon seulement, à faire un manœuvre. Ce sera justice, et pourtant, tu en souffriras cruellement. Si j'avais su, diras-tu alors. Eh bien, pour savoir, toi aussi, tu n'avais, mon ami, qu'à être plus docile, à bien travailler à l'école, à profiter de ce que ta famille et la patrie faisaient pour toi. Tout seul chez maman Jeanne. Non, on m'a dit, tu savais pas qu'ils allaient à Paris? Moi, je serais poilu.
Et ton père, il est plus poilu maintenant. Oui, il est comme un singe. Et ta mère, elle continue. Oh, ma mère, alors. Alors, Hervé, t'as bien travaillé? Oui, j'ai fait première rédaction. C'est bien, ça. Dieu. Entends-moi ton cahier. J'espère que tu avais un beau sujet. Oui, il fallait raconter notre plus belle journée de vacances. Alors, qu'est-ce que tu as raconté? Qu'on est au pique-nique avec maman Jeanne et Marcel. Mais viens avec moi. Tu as bien travaillé, je vais te donner un livre. C'est un livre que j'ai reçu en récompense à l'école quand j'avais ton âge. Je l'aimais beaucoup. Je l'ai relu souvent. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon issu de famille modeste et qui a réussi dans la vie. C'est triste? Oh non, pas du tout, ça se termine même très bien. J'aime à parcourir les rues de Londres la nuit. Tu sais où c'est Londres? En Angleterre. Voilà. Une nuit, donc, je m'étais mis à rôder dans la cité, je marchais lentement, selon ma coutume, méditant sur une foule de sujets. Soudain, je fus arrêté par une question dont je ne saisis pas bien la portée, quoiqu'elle semblât cependant m'être adressée. La voix qu'il avait prononcée était pleine d'une douceur charmante qui me frappa plus agréablement du monde. M'étant retourné, j'aperçus à la hauteur de mon cou d'une jolie petite fille qui me priait de lui indiquer une certaine rue située à une distance considérable. D'ici là, lui dis-je, mon enfant, il y a une bien grande distance. Je le sais, monsieur, répliqua-t-elle timidement. Je le sais à mes dépens, car c'est de là que je suis venu jusqu'ici. Seul, m'écriai-je avec surprise. Oh oui, peu importe. Mais ce qui maintenant me fait un peu peur, c'est que je me suis égaré. Une larme brilla dans ses yeux vifs, et je pourrais lire tout le livre, non? Tiens, tu le garderas en souvenir de moi. Et maintenant, retourne chez maman Jeanne. Université de France, lycée Condorcet. C'est. Condorcet. Au revoir, monsieur le marquis. Au revoir, Hervé. Au revoir, Pascal. Je vais oublier maintenant. Hey, ça va? Ouais, tiens, regarde ce qu'on m'a donné. Un beau livre. Tu vois? Magazine. Magasin. Magasin. Non, le magasin. Le magasin. Dans. D'antiquité. Quitté. Par. Par. CH. CH. Dans. Ducan. 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 Oh merde, j'ai un nœud, elle est plus nickelée. Voilà, c'est pour mon livre. Ouais, j'en ai une. Hein? Elle s'appelle Mariam. Hein? Mariam? Ouais. C'est un beau nom, hein? Oui. Toi, t'en as des fiancés, toi? Oui. Tu veux que je t'en donne une? Ouais. Combien t'en as? Oh, j'ai les 36. Non, non, c'est pas vrai. Non, j'en ai beaucoup. J'en vois beaucoup de fumes. C'est toutes mes copines que j'ai à l'école. J'en ai 5 ou 8. Ils t'aiment? Ouais. J'aime les filles, c'est vrai. T'aimes les filles? Ouais. Je les adore, les fous. Je t'en donne une? Bien sûr. Bah ouais, je t'en donne deux. Une belle, hein? Une belle. Une très belle. Non, une, ça me suffit pour moi. Ah ouais. C'est vrai, Bébert et Michel partent ce soir? Oui, ils partent en train ce soir. Ils partent à Paris. Ah? Ils ont préparé leur valise. Ah bah eux, ils ont du pot. Ouais. Moi, je vais bientôt partir. Moi, je sais pas. Oh, ça fait rien.
Pour moi, sûrement le mien. Il viendra avec la de Dion. Bon, hein. Une belle voiture. Ah. Oui, parce que vous avez des bagages. Hein. Ah, on va être chargé, là. Oui. Enfin. Vous avez du monde à dîner ce soir? Trois personnes. Mais à quelle heure vous arrivez? Oh, une heure et demie, peut-être, je sais pas. Et vous faites ça toute seule? Non, mon mari m'aide. Ah, bon. Je viendrai vous le présenter. Ah, oui, avec les enfants. Oui, j'aimerais venir ça dimanche. Mais il faudra venir nous voir aussi à Paris. Vous savez, pour nous, c'est pas facile. Marguerite viendra peut-être. Non, ça peut rien. Vous m'avez promis, Marguerite. Vous vous souvenez? Vous savez que je suis jamais venue à Paris, moi, encore. Mais venez. Venez. On viendra vous chercher si vous voulez. Il faudrait demander à Albert. Mais oui, bien sûr, on peut arranger ça. Mais on a Monsieur Picard, vous passez un dimanche avec nous. Ça fera plaisir. On vous fera un bon petit poulet. Et on mangera les confitures que vous avez données à Albert. Ah, vous en avez encore? Oh oui, j'en ai encore. Vous pensez donc, on les a gardées. Ils auront un bon souvenir. Oui, je crois. Vous avez été tellement gentille. Hein? Vous savez, les petits sont si gentils. Ça va être vite maintenant, ça va être bien. Oh, allez, ils sont bien grandis. Ça prend de la place. On a bien rigolé. Ils ont emporté pas mal de choses. Des petits jouets qu'Albert avait. Des souvenirs. Oui. Reviendront. Mais c'est tout à fait charmant, j'espère. Bah oui. De toute façon. Voilà le train. C'est l'heure. Eh bien, nous au revoir. Je te les donne, hein. Maman Jeanne. Merci. Au revoir, Marguerite. Au revoir. Au revoir, Marguerite. Tâchez de venir. Depuis le départ de Bébert et de Michel. Je suis sûr qu'ils nous ont déjà oubliés. Ils ne trouvent pas le temps d'écrire. Quand Hervé sera parti, on sera tous les deux tout seuls. Bientôt, tu auras les petits de Marguerite. J'ai un nouveau costume. Oh. Il va bien? C'est beau, hein? Mais il te va merveilleusement. Oh, merci. Dis-moi, il te plaît? Oui. Merci. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Hélène. C'est elle qui te l'a acheté. Tu peux m'apprendre à jouer, hein? Oh, ben tu savais bien tout à l'heure, pourquoi tu sais plus? Mais je m'arrête jamais. Tu vas prendre des pommes, une et deux. Tu vas m'apprendre, hein? Ouais, je ferai quelque chose. Ouh, il y en a qui s'envolent. Regarde partout. On dirait de la neige. Pourtant, on est en été, hein? Ouh! Elle aspire à chose. Ah, elle est venue sur moi. Ça fait rien, on est en chercher encore. Elle est gentille, votre petite fille. Oui, elle est mignonne. Elle a déjà fait la conquête d'Hervé. Vous croyez? Bon, j'en suis sûre. Je le connais bien. Oh, ils sont bons, vos tilleuls. Merveilleux. Malheureusement, j'en ai plus beaucoup parce que l'arbre devient vieux. Ça, c'est dommage.
Vous allez venir le chercher, oui. Bientôt, j'espère. Il n'est pas trop terrible. Oh non, vous verrez. Il est gentil, il est sensible. Ce sera dur pour nous d'être séparés de lui. C'est une question de temps. Il nous oubliera vite. C'est un enfant, c'est normal. Ça va, ma chérie? Oui. Tu t'amuses? Mmh. Tu es pas avec Hervé? Non, il est là-bas. Tu veux bien porter les tasses sur la table? Mais où elle est? Dehors. Elle te plaît ta petite soeur, Hervé? Oui, elle est très mignonne, j'aime bien. La bonne femme qu'elle a, tu l'aimes bien? Oh, pas beaucoup. Non. Et puis de dormir dans un lit, ça doit paraître bizarre. Au début, on peut pas dormir, figure-vous. Vous pouvez pas dormir? Oui, c'est trop mou, je sais pas. J'aimais ça. C'est trop chaud. Non. On peut pas dormir. C'est extraordinaire. Oui, c'est trop mou, trop tiède. Ouais. Enfin. Et votre travail, vous êtes... Ben, j'ai repris mon travail. Je vous avais raconté cette histoire-là, ouais. Je vais monter un truc. Et là? Mais il faudra qu'on attende encore 5-6 mois parce que ce local n'est pas libre, enfin... Je crois qu'on va l'avoir, finalement. Et pour le moment, alors, vous êtes... Ben, j'ai repris mon travail dans le faubourg. Ah oui, ouais. Je peux vous aider? Non, non, tout est prêt. Tenez, prenez le pain d'épices et la confiture, si vous voulez. D'accord. Vous allez apporter le soleil avec vous, hein? Oui, il fait chaud, hein? Il fait une chaleur. Vous voulez le mettre? Ben, pourquoi pas. Regarde. Vous me mettez dans un champ de blé, je fais peur au moineau. Je vous ai fait une tasse de tilleul. Tilleul. Hervé, tilleul. Marguerite. C'est sa manalie, elle me sert tout le temps du tilleul. Et la nuit, elle s'étonne que je ronfle. Asseyez-vous. Merci. Regardez, je suis comme vous. Je suis bien une petite ça. Tasse. Oui. Un peu, oui, je veux bien essayer. Il n'y a pas de pain de croûte. Ici, si, pas d'épices. Entre deux. Hein. T'es content, toi, avec ton petit costume? Oui. Il te plaît? Oui. Tu veux un gâteau, Hervé? Oui, je veux bien. Deux. Il a répondu. Elle a deux voilà. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi? T'es bête. Qu'est-ce que tu fais, Marguerite? La prochaine fois, on t'emmène à Paris. On a fini de s'installer. C'est une soirée tardive. Vous avez eu du mal à trouver un appartement? C'est vous qui l'a fait? Ah, toujours. Ce sont des feuilles du jardin et je la fais moi-même. Je vous en donnerai un pot quand vous partirez. Oh, c'est gentil, merci. Tu t'ennuies, Brigitte? Un peu. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Viens. Tu veux aller jouer? Mmh. Non. Tout à l'heure. T'amuses pas la campagne? Ça change. Pourquoi tu vas pas jouer avec Hervé? Tu sais, il va te montrer ses petits lapins, Hervé. Il a des beaux petits lapins, tu sais. Hein? Mmh. Allez, allez voir. Viens, je vais te montrer Roméo. Viens. Tu veux pas aller plus vite? Va avec Hervé. Viens. Oh, les beaux lapins, comme ils sont mignons. Tiens, voilà Roméo, voilà Juliette. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre Roméo et je vais le mettre dans la cage de la femelle. Tiens, rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là là, tu vas te faire attraper. Penses-tu que je te donnerai des petits? Je la trouve si gentille, tu trouves pas? Hum? Elle est jolie en tout cas. T'as pas l'air de très bonne humeur, Marguerite. Si. J'ai de la peine parce qu'Hervé s'en va. Ah, et moi? Je crois que ça ne me fait rien. Tu crois que ça ira avec elle? Oh, un enfant, il est toujours heureux de toute façon.
Heureusement qu'il y a la petite, elle est très gentille, je trouve. Comme nous. Papa Albert est parti déjà depuis un bon moment. C'est qu'il est parti. Mais il est parti chercher la petite fille. Tu la connais, toi? Non, mais je sais qu'elle est toute petite. On va la voir. Oui. Tu es content? Oui, je suis très content. C'est une petite fille, c'est pas comme Michel et comme Albert. Il va falloir être très gentil avec elle. Oui, je serai très gentil. Hein? T'as vu ce qu'on nous envoie? Oh, elle est adorable. Ben oui, sous le chapeau de paille, il y a une petite fille. Magali. Magali, hein? Viens là, Magali. Là. Elle est mignonne, hein? Oui, ses parents l'ont déposée sur le quai de la gare. Il va être donné à garder au chef de gare. Qu'est-ce que t'as? Hein? Mais ton œil? Non. Fais voir, regarde-moi. Avec des malheurs, elle a déjà une dent qui s'en va. Ah! Oh. Hein? C'est quoi? Ta dent. Ça va mieux? Fais voir ta dent. Laquelle qui bouge? Celle-là? Oh, dis donc, on n'y touche pas. Oh, ben, bah, t'as bien. Hein? Mm-hmm. Ça bouge beaucoup? Oui. Oh, ben, bah, t'as un fer à repasser? Hein? Avec une ficelle, hop! Si? Non. Alors, sois pas timide, Magali. Hein? Regarde maman Jeanne. Tu la vois, maman Jeanne? Dis. Tu es pas trop fatiguée? T'es pas trop fatiguée? On est dans la marine, on est costaud. Hein? Non. Viens, je vais te remettre la chambre. Allez, va avec Hervé. Ouais. Oh, quelle est petite. Dis donc, il y a toutes ces affaires là-dedans, là. Oui. Voilà. Ben, je vais aller les préparer, hein. Je vais les ranger. Oui, moi je reste ici. Oui. Ma pipe tranquille, hein. D'accord. Tiens, voilà ta chambre. Oui. Tu vas dormir là, je laisse mon lit. Moi, je dormirai dans le grand lit. D'accord. On a ton chapeau, tu vas être chaud. Alors, à quoi qu'on va jouer? Un cache-cache, un chapitre. Après, deux châteaux et un pâté. Après, et puis deux pâtés. C'est pour moi, pour toi. Allez, venez goûter, les enfants. Hein? Allez, c'est bon, je le fous. Viens. Comme ça. Hein? Fais ça. Fais ça. Ouais. Ouais, tu crains un petit peu la chatouille. Oh là, je la crains là. Tu la crains, hein? Bah, je la crains plus. Bien, fais-le là, tu verras. Oh, tu la. Vas-y. J'ai une glace par ici. Oui, pourquoi faire? Je vais me faire une beauté. Une beauté? Ah, bien. Tiens, je te rejette. Tiens-toi. Regarde-toi. Tu te trouves belle? Oui. Bah, moi, je te trouve belle. Avec qui t'habites? Avec Pépère, tout seul. Et maman? Ma maman, elle est morte. Elle est morte? Oui. On est seuls tous les deux. Vous êtes seuls tous les deux? Oui. T'amuses bien avec Pépère tous les soirs? Oui. Ah, t'es contente? Bah oui. Non! Non! Va-t'en, en allez-vous! En allez-vous, j'ai dit! Viens là pour qu'il s'en aille! Elle les fait venir? Non. Moi aussi. Je le dirai. Tu le dirais? Oui. Magali, regarde. Fais-le me dire maintenant. Tu vois, Magali, j'en ai une!
couru, hein. Tu sais ce que c'est, ça? Oui. C'est quoi? La Sainte Vierge. Elle a fait deux miracles. On a mis une statue. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites? On attend la Sainte Vierge. Bon, ben, venez vous promener avec nous, Hervé. Sur cette carte de France, l'Alsace-Lorraine figure encore en blanc. Vous savez qu'elle comprend trois départements qui sont la Moselle, chef-lieu, Metz, le Bas-Rhin, chef-lieu, Strasbourg, et le Haut-Rhin, chef-lieu, Colmar. Hervé, tu vas nous montrer sur la carte où sont ces trois départements. La Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Bon, Marc et Philippe, vous enlevez la carte, vous ouvrez tous votre livre de géographie à la page 34, la France coloniale. La France coloniale. La France coloniale. Et Serge va nous lire la leçon à partir d'ici. Les colonies et les protectorats rendent de grands services. Car nous y vendons les produits de notre industrie. Et nous y achetons les matières naturelles dont nous pouvons avoir... Silence! Nous y pouvons, d'autre part, faire œuvre d'humanité et de progrès en améliorant la situation de leurs habitants que nous initions au bienfait de notre civilisation. Tiens, vas-y Jean, là. La France peut être fière de l'œuvre qu'elle a accomplie en Algérie et en Tunisie. Oui, oui. Monsieur Testin, je m'excuse de vous déranger, mais je viens chercher le petit Hervé. Oui, son papa veut le ramener à Paris. Ah bon, ben, je vais lui dire que ce n'est pas Paris. Mais tout de suite, vous attendez là, hein? Oui, j'attends, merci. Hervé, mon vieux, prépare tes affaires, ton papa t'attend. Pourquoi il s'en va? Parce que son papa vient le chercher pour aller à Paris. C'est dommage, il était gentil directement. Il va t'ennuyer sans lui, hein? Hein? Ah, ben il va pas rire, viendra nous voir, j'espère, de temps en temps, hein, Hervé? Oui, des fois, il va nous écrire. Bon, je lui écrirai une lettre. Ça lui fera plaisir, tu as ton béret? Hein? J'espère que tu travailleras bien à Paris, hein? Tu n'as pas beaucoup d'attention, hein? T'as été promis une fois en rédaction, mais le résultat, c'est pas brillant, il faut travailler mieux que ça. Tu te souviens ce que je t'ai dit une fois à l'école? Hein? J'ai fait une leçon là-dessus, celui qui travaille mal à l'école. Bon, tu vas dire au revoir. J'ai un petit copain, tu vas t'en aller. Ouais, au Je vais aller au tableau, à mon bureau, comme ça il tiendra sage, et puis les autres seront peut-être sages aussi, c'est toi qui vas être le responsable de la classe, hein? Bonjour Magali. Eh ben, Hervé s'en va à Paris. Alors vous allez vous dire au revoir. Au revoir Magali. Hein?
quand papa t'emmène dans une belle voiture à Paris. Oh, je veux pas y aller. Non, non, on ne discute pas, ne sois pas triste, surtout. Hein? Merci, monsieur Testin. Allez, au revoir. Au revoir. Travaillera bien là-bas, hein, tu me le promets? Allez. Allez, au revoir. Allez, une petite bise encore avant? Allez. Allez, au revoir, Magali. Au revoir, Magali. Merci, monsieur Testin. Merci. C'est beau Paris, là. Hey, Sequin, je m'en vais à Paris. Ah, bien, Luna. Bonne forme, Sequin. Au revoir, bon voyage. Ça va, la petite? Ah oui, mais deux enterrements encore aujourd'hui. Après cette grande guerre, maintenant la grippe espagnole. Oh, pauvre France, quelle misère. Eh ben, au revoir, monsieur Sequin. Ben, au revoir. Bon voyage. Bon voyage, aussi. Ah, ce petit Herbet, je suis bien content qu'il parte. Ah, oh, comme enfant de cœur, qu'est-ce qui m'en a fait voir? Qu'est-ce qui m'a caché comme cierge? Et c'est moi qui me faisais attraper par monsieur le curé. Eh ben, 20 ans, je ne... Tu n'en vas pas à l'école, toi? Ah, bah tu nous quittes dans pour de bon? Oui. Oh, bah sois pas triste. Hein. Sois pas triste, ton père va être rudement content de te retrouver. Et avoir un peu peur aussi. Et puis quoi, tu reviendras. Hein? Et puis au moins Jeanne sera moins triste si elle te sait heureux. Et puis c'est pas si terrible que ça, tu te feras de nouveaux camarades à l'école. Ça m'est égal, je vais rester ici. Ouais. Et bah, tu reviendras. Pour les vacances, hein? Maman Jeanne le prendra. Et puis tiens, quand ma jument mettra bas, je garde le poulain pour toi. C'est vrai? Ouais, allez, file maintenant. Au revoir, Albert. Vous voulez vraiment rien boire? J'ai du très bon cidre. Ah ben, donnez-moi du cidre, j'aime bien. Tiens, maman, tu me passes les chaussettes, s'il te plaît? Oui. Je les ai lavées hier soir, elles ne sont pas tout à fait sèches. Ouais. Faut que je vous règle une partie, au moins, peut-être, envers vous. Je vous paierai dès que je pourrai. Oh, merci, oui, je comprends très bien. Ah, je vais vous donner aussi une petite photo d'Hervé. Gardez ça dans un médaillon. Je vous le donne. Oh, c'est déjà vu. Quel âge il a? Bon, bon, juste avant de vous l'amener. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Un taxi. Pour le départ? Oui. Viens te chercher. Allez, viens Hervé te changer. Voilà, tu vois, toutes tes affaires sont prêtes. Je viendrai pendant les vacances. Je t'écrirai. Je penserai toujours à toi. Tu m'écriras souvent. Hein. Oui. Attends, je vais te défaire. Mais j'espère que vous nous l'amènerez souvent. Oui, mais dites donc, vous aussi, vous viendrez nous voir à Paris. J'ai appris que vous alliez vous marier. Oui. Bon, ben, rien ne presse. Faut qu'elle fréquente longtemps. Oui, papa est pas pressé. Vous aussi,
C'est normal. Ah oui? Allez, on va fêter notre tour. Merci. Ouais. Bon, c'est temps de manger. Je t'ai mis ta chemise au-dessus, hein, comme ça tu l'auras tout de suite ce soir. Là. Dis Hervé, tu m'enverras des cartes postales? Oui, une carte de la Tour Eiffel. Tiens, va mettre ton petit costume maintenant. Tu prends pas ton béret? Non. Tu veux manger quelque chose? Non. Vous nous éclairez? Bien sûr. Tu te souviens de Paris? Non. Ah, tu verras, c'est très joli.